Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de Couch Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre căuci. Și am cu mine în studioul RFI România un francez care trăiește în România și vrea să-i facă pe român să viseze cu ajutorul unei beri pe care o fabrică singur la Buzău. François Xavier Dolande este un pasionat de bere. Mai mult decât să o bea, îi place să o fabrice. Și a ales să se instaleze la Buzău, unde produce singur o bere cu nume exotic, One Beer Later. Este o bere rară pe care François Xavier Dolander o bea, prețuiește la fel de mult cât țara în care ales să trăiască, România. Împreună cu el vom petrece o jumătate de oră în care vom încerca să înțelegem cum se îndrăgostește un francez de România. O emisiune în limba franceză. Monsieur François Xavier Dolandé, bienvenue dans le studio RFI Roumanie. Je vais faire court. Vous êtes français, vous aimez la bière, au point d'en produire une en Roumanie, et vous vivez à Buzău. Beaucoup de Roumains vont se demander qu'est-ce qu'un Français vient faire à Buzău. Ah, bonjour, <laughs> c'est une bonne question, c'est une large question. Euh, la passion du pays. Euh, il y a quelques années, j'ai enfin, habité la Roumanie longtemps, j'ai dû quitter, j'étais extrêmement triste et je revenais souvent euh, faire de la moto à Buzo, bien que j'étais retourné en France. Vous êtes venu quand la première fois en Roumanie Quelle est votre histoire avec ce pays euh, En 2007, euh, avec ma compagne, on a décidé de, de venir en vacances pour une, une quinzaine de jours en, en Roumanie. Et voilà, donc on, on a aimé le pays, on est rentré, on a continué chacun à travailler de notre côté. Et euh, l'année suivante, mon employeur, qui était qui une grosse société française, m'a proposé de venir travailler en Roumanie. Et j'ai senti euh, dans, le, dans la seconde, j'ai senti qu'on qu allait partir pour la Roumanie. J'ai donné ma réponse deux jours plus tard. Et comment ça s'est passé cette histoire de la Roumanie Quelle est la suite vous, vous arrivez en Roumanie pour, bon, pour, le, pour le boulot d'abord. Oui. Et euh, ensuite, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une histoire de boulot. Euh. Ah oui, bah c'est il hum, y, y a vraiment eu un amour pour. Euh, en fait, euh, les, les, les premières années, c'était l'aventure tous les jours, et ça, ça m'a vraiment marqué. C'est que tous les jours, c'était extrêmement passionnant, ça l'est encore, mais c'était vraiment intense à cette période-là, parce qu'il m'arrivait toujours des choses un peu extraordinaires, et je trouvais aussi que le pays était beaucoup plus vivant et l'est toujours beaucoup plus vivant qu'en qu France. Ça va faire plaisir aux Roumains d'entendre qu'ils <laughs> vivent dans un pays plus vivant que la France. <laughs> bah, par exemple, euh, donc en 2014, quand je suis Retourné en France, donc j'ai quitté la Roumanie. Je suis allé en Normandie et dans ce village ou dans cette petite ville, bah vous ne voyez personne dans les rues. Tous les gens sont chez eux ou éventuellement on se déplacent en voiture, mais on ne voit même pas de voiture. Encore Roumanie, même encore aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans les rues, beaucoup d'animaux, beaucoup d'activités. Et c'est dans ce sens-là aussi que je dis le pays est beaucoup plus vivant que la France. Il y a une présence humaine dans les villes et villages roumains oui. que vous ne trouvez oui. plus en France, peut-être. Oui, oui, il y a encore beaucoup d'activités en Roumanie, même si on sent que ça, quand même, ça, ça évolue. Mais il y a encore beaucoup de petits magasins, il y a encore de, de l'agriculture, il y a des petits commerces. Euh, ce qu'on a du mal à trouver désormais en France, et je, je trouve que ça déshumanise un peu le, la vie en France, en tout cas dans les villages, ou dans les petites villes. Euh, je serais curieux d'avoir euh, votre regard sur les Roumains et, et la Roumanie. En général, euh, les Roumains n'ont pas une très bonne image de, de leur pays et ils sont assez défaitistes, il faut dire. Qu comment vous voyez les Roumains et quel rapport avez-vous avez avec, euh, avec la Roumanie euh, Moi j'aime bien parce que le, le contact est assez facile. Euh, ils aiment la fête. Ils, ils sont euh, assez directs, en, en particulier en affaires. Euh, voilà oui. vraiment je trouve c'est plus facile. Et pour démarrer cette brasserie euh, à Buzao, ce qui était aussi facile, c'est que la Roumanie c'est un pays qui est plus petit que la France et c'est plus facile de connaître la personne qui connaît quelqu'un etc. On, encore une fois, je reviens un peu à cette idée, c'est une communauté qui est un, un peu plus petite qu'en qu France. Et du coup on, on se sent plus proche de l'un et l'autre. Et si on a besoin d'aide ou de contacter quelqu'un, on va toujours trouver un, un moyen de contacter cette personne. Donc voilà, c'est aussi cette facilité-là que j'aime que, que en, en Roumanie par rapport à notre activité pour la, la brasserie, par exemple. Et pourquoi la bière Vous auriez pu faire d'autres affaires en Roumanie, mais pourquoi vous avez choisi la bière Ah ça c'est une passion. Euh, c'est une passion euh, qui remonte certainement à très loin, mais en fait euh, elle, est, elle est, vraiment, euh, est arrivée en face de moi, on va dire, euh, lorsque j'étais étudiant en école d'ingénieur d'agroalimentaire. Et euh, j'étais coprésident d'un club d'onologie de, de l'école on faisait dégustation de vin et on avait décidé de faire une fois par an euh, une, spéciale, une soirée spéciale sur la bière. Donc on arrêtait de parler de, bière, de, de vin ce jour-là, on parlait de, de bière. Et j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes, à, enfin, à la technique, etc. Et ensuite j'ai appris que je pouvais aller dans une école de brasserie. Et donc ensuite j'ai essayé autant que possible de travailler toujours en, dans le domaine de la brasserie. Ce que j'ai réussi à faire quasiment euh, 16 ou 17 ans. Sborder oui. sur un équipe de, de coachs. Coach Mirel Brandt et Monica Grigoriou. C'est intéressant cette histoire de la bière parce qu'en hum, en général, en Roumanie, euh, les boissons préférées des Roumains, c'est euh, le vin, la, ce qu'on appelle ici la tsuyka, l'eau de vie à base de prunes. Euh, en ce qui concerne la bière, les... moi-même, j'avais une vision assez étriquée de, de cette boisson. C'est-à-dire que bon, dans ma tête, il y avait juste quelques sortes de bières, les, mmh. les, on va dire les, les, les marques les plus répandues qu'on voit dans les mmh. supermarchés. Et puis petit à petit, j'ai découvert que, comme dans le bon vin, il y a aussi des très bonnes bières, des, des bières euh, très spéciales, des bières bien, bien faites. Euh, Comment, comment expliquer cette perception de la bière? Maintenant, en Roumanie, euh, est-ce que vous avez le sentiment que les, les Roumains vont, vont chercher ce, ce genre de bière que vous fabriquez? Parce que ce n'est pas une bière, euh, euh, comment dire, euh, euh, ordinaire. C'est une oui. bière qui a sa personnalité, sa spécificité. Mm -hmm. euh, Racontez-nous un peu l'histoire de cette bière que vous fabriquez. One beer later. Alors, euh, donc, le One Beer Later, c'est fabriqué à, à Buzao. On a décidé, avec mon associé euh, Yonus Soyan, qui est, qui est un ami de, depuis longtemps, depuis que je suis arrivé en Roumanie, de, de démarrer cette euh, microbrasserie, cette brasserie artisanale euh, à l'entrée de Buzao. Donc, quand vous arrivez de, de Bucarest, c'est tout à l'entrée de Buzao. On utilise de l'eau euh, de, de forage, euh, qui est utilisée par une autre usine agroalimentaire. Et il s'avérait en fait que l'eau, est extrêmement bonne pour le type de bière que, que j'ai envisagé de, de produire. Donc l'eau, c'est essentiel. C'est une des choses essentielles parce que, par exemple, il y a certaines bières qu'on ne pourrait pas faire à Busao. Des, des bières de type euh, Pilsner, Pils. Aujourd'hui, avec l'eau que j'ai à Busao, sans technologie euh, extrêmement coûteuse, je ne pourrais pas faire de, des bières de type Pils. Donc, le, en fait, il s'avère que la, la bière qu'on utilise à Busao est extrêmement bonne pour les stouts. Donc, les, ce sont les bières noires. Et aussi euh, toutes les bières euh, ale. Ce sont des bières euh, qui fermentent avec un, à une température un peu plus élevée, avec une certaine levure euh, spéciale pour, pour ça. En l'autre, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi euh, le malt, le malt d'orge. Et on a une chance extraordinaire à Buzao, c'est qu'on a l'unique euh, usine qui produit ce, ce malt. Elle est à Buzao. Euh, ça s'appelle malterie. Et donc on se produit à cette, avec cette usine qui est à 2 km de nous. C'est le grand luxe quand même d'avoir 2 km de ton entreprise. Le... Euh, là oui, c'est sûr. Euh... Euh, nous et Ursus, qui est l'autre côté de la ville, on a cet avantage de se fournir euh, de, de, localement. Euh, donc nos bières sont ont beaucoup plus de, de goût que les, les, les bières, les autres bières que vous trouvez sur le commerce. Alors en fait, je dis nos bières. En fait, il faut parler bières artisanales en Roumanie parce que Lorsqu'on a démarré, on, je crois qu'on était à 17e euh, à, à ouvrir, et là on est à peu près 30 microbrasseries en Roumanie. Donc il y a vraiment un engouement, pour revenir à votre question initiale, il y a vraiment un engouement en Roumanie pour les bières artisanales, euh, tel qu'un engouement qu'on retrouve dans les, la plupart des pays d'Europe et même du monde, puisque c'est vraiment une vague qui a démarré aux États-Unis il y a une vingtaine d'années et qui arrive maintenant en Roumanie. Euh, Puisqu'on parle de bière, euh, bon, vous, vous, vous en êtes un passionné, c'est clair. Euh, pouvez vous pouvez -vous nous raconter un peu l'histoire de cette boisson que, que les Romains commencent à bien aimer, d'ailleurs euh, Alors, la, la boisson... Euh, alors, on, on... On dit que ça remonte à l'époque des, des Sumériens, donc ça remonte largement avant la naissance voilà. de Jésus-Christ. Et apparemment, d'après les dernières nouvelles, ça serait encore plus ancien que ça, mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, ces, ces gens-là faisaient euh, fermenter des céréales, qui étaient certainement pas de l'orge, euh, dans un peu d'eau, après l'avoir mâché et au soleil. Et puis ça commençait à donner un peu d'alcool, un peu de pétillance. Et de fil en aiguille, c'est arrivé à la bière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, alors en Roumanie, d'après ce que je sais, ce n'était pas vraiment un pays de bière, même si avant la Révolution, il y avait des, des productions de bière qui n'avaient pas forcément euh, très bonne réputation, en tout cas qui n'ont pas laissé des grandes traces dans la mémoire des gens. Et c'était euh, plutôt un pays de vin, de ce que je sais. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que les, les brasseries industrielles qui sont venues s'implanter après la Révolution relançaient la consommation de la bière. Et maintenant, la Roumanie fait partie des, des, des gros consommateurs de, de bière, puisque je pense que par habitant, on est peut-être à, à la sixième ou à la septième position en Europe, ce qui n'est pas si mal. Donc ça devient de nouveau un, un pays à bière. Et depuis euh, 2011, et en particulier depuis euh, voilà, 2013, de, c'est aussi un pays avec un renouveau de la brasserie à travers nos, les, les brasseries euh, artisanales, comme la nôtre. C'est pas mal. Donc les Romains ont trouvé une nouvelle religion qu'on la bière. Euh, pour, pourquoi avez-vous appelé votre marque de bière One Beer Later Déjà c'est en anglais. Vous êtes vous êtes français. Quel est, quel est le message de, de ce produit une Question intéressante. Euh, quand euh, j'ai quitté Roumanie en 2014, je savais que les Romains n'étaient pas très très fiers de leurs propres produits, même des fois de leur de leur pays. Ou... Et quand on a décidé de, de créer cette, cette marque, One Beer Lighter, euh, j'avais dans l'idée de faire quelque chose qui soit roumain, mais pas trop. Alors je pensais qu'on trouverait quand même quelque chose, au moins avec un mot ou une référence euh, à la Roumanie, ne serait-ce que la région Transylvanie ou quelque chose comme ça. Et l'idée d'appeler One Beer Lighter était tellement bonne parce qu'en fait, l'ensemble des trois mots n'avait jamais été utilisé ou pratiquement jamais utilisé dans le monde j'ai pris, j'ai sauté sur occasion, on a pris le, et on, on, on l'a utilisé. Alors du coup, c'est vrai que ça fait pas très roumain, mais euh, les, en fait, le one beer later, c'est le début d'une histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer one beer later, alors bon, ça, ça démarre en anglais malheureusement, et après vous racontez une histoire. Et voilà, ça nous ouvrait un champ de, de possibilités assez infini. Voilà, on a sauté sur occasion. cu căuci Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous avez dit că y a une trentaine de microbrasseries déjà oui. en, en Roumanie. Ça montre bien que on a une tendance du, marché qui qui est À, à, à chercher au-delà des bières classiques qu'on peut voir dans les supermarchés. Mmh. Ils cherchent un peu la différence, ils cherchent un peu l'originalité, ils oui. cherchent un peu la petite touche qui fait que cette bière-là ne ressemble pas aux autres. Euh, comment voyez-vous l'évolution de ce marché en Roumanie Vous êtes là depuis un bon moment en Roumanie, vous avez vu ce pays suffisamment de temps pour, pour en faire, vous en faire une idée. Euh, le marché roumain, il est comment aujourd'hui euh, alors ça, ça, on est passé par des extrêmes parce que la Roumanie faisait partie des pays où on trouvait les plus grands récipients de bière puisqu'il y avait des bouteilles en PET de 2 litres, de litres de litre et demi, euh, extrêmement bon marché. Et aujourd'hui, on arrive à des bouteilles de, de 33 ou d'un de, demi-litre qui sont nettement plus chères que les bouteilles à 2 litres. <laughs> oui, elles sont nettement plus chères, euh, je sais pas combien de fois, mais peut-être 3 ou 4 fois plus chères. Elles ne font qu'un tiers ou un, un demi-litre. Euh, donc ça, ça, reste, ça reste une niche, hein, ce, cette brasserie, enfin, cette bière artisanale. Euh, D'ailleurs, le nombre de producteurs probablement aujourd'hui augmente plus vite que le nombre de consommateurs. Mais euh, je pense que ça prend un petit peu de temps à, à, à faire connaître qu'il y a quelque chose de disponible, de différent, et à faire aussi que les gens apprécient, parce que ce sont des bières quand même qui sont plus marquées en goût. Et euh, on, peut, on peut difficilement euh, sauter de la légueur classique et industrielle à une bière artisanale telle que la nôtre, c'est l'écart, euh, est assez important. Et je l'ai vu avec les gens qui, qui, qui brassent avec nous, donc à, à Busao. Au début, avec certaines de nos bières, ils avaient beaucoup de mal parce que ce n'était pas une bière qui était faite pour eux. C'était déjà pour quelqu'un qui avait un petit peu d'expérience en bière artisanale. Et au bout de quelques mois, ils sont déjà passés à cette bière-là. Et ça a pris peut-être trois mois. Et, euh, si... Si vous deviez dé décrire un peu votre bière, en quoi elle se distingue des autres, comment vous, vous, vous décrirez cette, cette boisson que vous produisez vous-même Alors, on, on parle, je vais parler de One Beer Lighter, bien sûr. Euh, nous, on a décidé de faire des bières qui sont de type artisanal c'est ces bières américaines ont deux particularités importantes. Ce sont les, les houblons. Donc, vous savez que le, bon, pour faire de la bière, il faut de l'eau, du malt et du houblon et un peu de levure. Et donc, les houblons, euh, nous n'utilisons que des houblons américains qui sont beaucoup plus aromatiques et aussi beaucoup plus amers. Donc, il faut en utiliser moins euh, que les houblons européens. Donc, ça, c'est vraiment un critère important chez nous. Et le deuxième critère, c'est le type de levure qu'on utilise. Ou jusqu'à maintenant, c'était des levures, euh, en fait, une levure américaine qui est assez note, c'est-à-dire qu'elle laisse s'exprimer les, les matières premières, telles que le houblon et le malt. Elle ne va, va pas recouvrir de son propre goût le, le houblon et le malt. Alors, One Beer Later, on a, on a tendance à être un petit peu plus amer que, que la moyenne. Euh, pour certaines raisons, on a un petit, peu, un petit peu moins fruité, ce qui fait que... Enfin, euh, la euh, l'arôme, c'est quand on essaie de sentir son, son verre, on ne ressentira pas la même chose que certaines autres bières artisanales, pour des raisons techniques, parce que je voulais que la bière soit reste stable, et etc. Donc notre bière est beaucoup moins sensible que d'autres productions artisanales. Et par contre, le, 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 comment dire, le déclic va se faire quand vous buvez. Quand vous buvez, vous allez trouver quelque chose qui est à mi-chemin entre certaines bières artisanales extrêmes qu'on retrouve, pour, qu qui sont vendues en général à ce qu'on appelle les bières geeks. Donc là, ce sont vraiment des gens qui cherchent des choses qui explosent en arômes de partout. Et nous, on se situe entre eux et les bières un peu plus conventionnelles. Donc on est, on est à, à, à mi-distance. Et en même temps, on, est, on ne fait pas des bières belges, on ne fait pas des bières allemandes, ce qui est aussi aujourd'hui un, un handicap en Roumanie, parce que les gens en Roumanie cherchent du type allemand, type belge ou euh, sucré. Et nous, on a en fait la dernière, troisième particularité de One Beer Lecture c'est qu'on va dire une fin euh, sèche plutôt qu'une une fin sucrée. Et je... En fait, la stratégie c'est qu'on pense qu'en quelques mois, en peu de temps, les gens vont petit à petit euh, s'adapter à des bières qui sont un petit peu moins consensuelles et un petit peu moins classiques. Bah, pourquoi pas je, je me souviens des, des années 2000... Euh, les, Roumains, les Roumains préféraient avant les années 2000 euh, les vins très, euh, très sucrés. Mmh. Euh, nous on a découvert le vin sec euh, après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Oui. En fait, plutôt après 2002, parce qu'à partir de 2002, les Roumains ont, ont, eu, ont eu la possibilité de voyager sans visa dans l'espace Schengen. Donc, ils ont commencé à aller vers l'ouest et ils ont découvert les, les vins secs. Mm -hmm. Et quand ils sont rentrés à la maison, mais ils ont cherché à acheter du vin sec roumain, mais il n'y en avait pas grand-chose. Et je me souviens, le premier, c'était le, le vin du chevalier, euh, qui était fait par un corse, un vin sec, euh, qui a, eu, qui, dont les ventes ont vraiment explosé après 2002. Euh, le patron de, 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 de cette boîte me, me racontait qu'après la, la libre circulation, la les Roumains rentraient, et ils voulaient, ils voulaient ce genre de vin. Donc je, je suppose que par rapport à la bière, on peut aussi avoir la même histoire. C'est oui. finalement une histoire de goût, de l'évolution du goût. Quoi. Je pense que ça, ça prend une petite période d'adaptation, comme je disais, quand je vois que certains de mes collègues en trois mois euh, sont passés d'une bière qui était vraiment euh, un peu plus sucrée que j'avais faite exprès pour les gens qui ne sont faits pas de Bucarest ou des gens qui sont plus de buse à Et mes collègues sont passés de cette bière qui était un peu plus facile, qui était un peu plus de, on va dire, un moyen d'entrée dans One Beer Later, à une bière qui était beaucoup plus amère. Ils ont fait le cheminement en trois mois. Donc je pense que la même chose va se produire avec nos autres clients. De de coach, coach Mirel Bran, Monica Grigoriou. Monsieur François Xavier Dolandet, notre émission est centrée sur l'idée de changement. Euh, une question très simple. Que peut changer la bière dans, dans la vie d'un homme ah. <laughs> À part le fait qu'elle soit rafraîchissante après une longue, euh, une longue et chaude euh, après-midi d'été. Euh... Ben, j'ai envie de reparler de moi. Moi, ça ça a vraiment été euh, la bière, ça a vraiment été le cheminement euh, de toute ma carrière euh, professionnelle depuis la fin de mes études. Et il euh, n'y a, a pas une journée où je ne pense pas à bière, où je ne fais pas une allusion à la bière. Il où... y a des jours où je ne bois pas de bière, je vous rassure. Mais il euh, y a forcément quelque chose qui me rappelle la bière à tout moment de la journée. Il euh, y a un auteur français, j'ai oublié son nom, qui a écrit un livre qui est titré euh, La première gorgée de bière. Oui, de l'herbe. Euh, de l'herbe, voilà. Euh, et j'ai lu, lu cette, cette partie-là sur la bière et c'est extraordinaire. C'est vrai que cette sensation qu'on peut avoir quand on prend une première gorgée de bière, c'est inoubliable. Quoi. <laughs> Ah, c'est la, la bière, la, enfin voilà, c'est particulièrement inoubliable euh, en été quand on a besoin, c'est extrêmement rafraîchissant. Quand cette bière est euh, bien amère, il n'y a pas plus euh, rafraîchissant. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué parce qu'il euh, y a quelques années, enfin même une dizaine d'années, quand on, on voyageait à travers les pays de l'Est, on, on trouvait encore des bières qui étaient assez amères. Pas comme la nôtre, mais qui, qui était un peu plus amère que ce qu'on trouvait en France. Et j'avais remarqué aussi que l'amertume euh, permettait d'être un petit peu moins sensible à l'alcool. Il n'y a pas de raison euh, scientifique qui explique ça, mais ça, ça aide un petit peu. Et euh, après, il ben, y a aussi euh, certaines bières beaucoup plus riches, beaucoup plus fortes qu'on peut boire à la fin d'un repas euh, et qui peuvent remplacer éventuellement le dessert ou le café. Euh, vous êtes un peu un contre courant avec une bière amère en, en, en Roumanie. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui vous attire, qu -ce qui vous attire dans, dans ce côté amer de, de la bière euh, Bon, déjà, c'est un type de bière que j'aime. Moi, j'aurais euh, beaucoup de mal à, à fabriquer, à commercialiser quelque chose que je n'apprécie pas, ou en tout cas qui n'ait pas des, des, des qualités euh, que je lui reconnaisse. Une bière qui aurait codé des défauts aucune, je ne pourrais pas vendre ce, ce genre de produit. Je ne saurais même pas expliquer comment ça peut intéresser quelqu'un, donc il est hors de question. Et euh, j'ai oublié votre question, pardon. <laughs> <laughs> Qu'est-ce qui vous attire dans le côté amer de la vidéo ah, Le côté amer. Euh, non, pour, et pourquoi on a fait un, un produit un petit peu différent En fait, l'idée, c'était euh, de ne pas faire exactement pareil. On est quand même 30, ou quand on a démarré à peu près 20 microbrasseries. Il n'était pas question de, 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 de marcher. Ce que sur. les autres font voilà. déjà. Il fallait qu'on fasse quelque chose de différent. Et il y avait une case qui était un petit peu vide. C'est-à-dire le style américain, mais pas trop fort parce qu'il existe d'autres solutions, mais qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de goût et beaucoup plus extrêmes dans, dans les goûts, avec de la vanille, avec des, des, des tas de mélanges, des fruits, etc. Donc nous, on a voulu rester classique, euh, buvable dans le sens où ce n'est pas trop fort, et d'être, on va dire, une étape intermédiaire entre, avec ces, ces bières extrêmes dont je parlais. Et votre vie à Buzao, ça, donc quoi Bon, il y a eu un choix, euh, disons, économique, euh, on va dire, euh, Buzao, mais, mais vous avez aussi une vie là-bas, vous vivez là-bas, sur place. Oui, oui, bah, bien sûr. Euh, bon, j'ai une équipe aussi qui fait tourner la, la brasserie, mais euh, voilà, je, je suis souvent à Buzao. Et euh, bah, la, la vie à Buzao, euh, <laughs> ai, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur Buzao. Il, il y a une dizaine d'années, euh, quand on... ma, ma, ma compagne a annoncé à des gens qu'elle avait rencontrés dans une soirée en Angleterre, ah, ben, on va déménager prochainement pour Buzao. Elle avait une, une Roumaine qui était là. Elle dit Surtout pas, surtout pas, il faut pas aller à Buzao, c'est la pire <laughs> ville de Roumanie, c'est un désastre. Il faut que tu te sépares de lui, mais ne quitte pas la France, <laughs> n'y va pas. Et puis bon, on a quand même réussi à rester euh, près de 10 ans. Euh, non, en fait, Busan, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est à proximité avec les montagnes. J'aime bien ce, cette côté nature. Euh, on est du côté sud de la Roumanie, donc euh, là, le, on va dire, on a un climat qui est un petit peu plus favorable que dans, dans le centre ou dans le nord du pays, enfin, en tout cas de l'autre côté de la, de la Transylvanie. Euh, à Buzao, bon, j'ai plein d'amis en fait, puisque j'ai vécu là longtemps. Euh, et c'était aussi plus facile de démarrer cette société à Buzao, puisque bon, voilà, je connaissais un peu les gens euh, euh, dans les administrations, etc. Donc, et vous étiez un peu un peu chez vous, quoi. Voilà. Oui, oui. oui, tout à fait. Et vous avez dit tout à l'heure que euh, à un moment donné, vous avez dû quitter la Roumanie oui. et que ça vous a manqué, que ça enfin, Qu'est-ce que vous a manqué en fait Ah, qu'est-ce qui m'a manqué euh, euh, bah, Bon, il y a tout ce que j'expliquais par rapport à la nature. Il y a une, euh, moi, j'aime bien aussi les endroits où il y a une faible densité de population. Je, je viens du nord de la France, près de la Belgique, et il n'y a pas plus, <coughs> à part bien sûr Paris, pardon, il n'y a pas plus dense comme région. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lever les yeux sans voir. Euh, des maisons, des voitures, des camions, des pylônes électriques, euh, quoi que ce soit. Alors qu'en Roumanie, il y a plein d'endroits où vous ouvrez les yeux et vous ne voyez rien, sauf euh, et, et si c'est bien, par contre, vous allez voir des animaux, vous allez voir des bergers, euh, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, euh, donc c'est ça vraiment qui, qui m'a manqué. Bon, un, petit peu, un petit peu la météo et une euh, chose aussi que je fais à Buzao c'est que je fais beaucoup de, de enfin, je fais de la moto enduro et donc c'est de la moto qui se fait en tout terrain on va dire et en France c'est devenu quasiment impossible de faire ça de, cuib de coach Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu j'ai rencontré d'autres Français qui font de la moto en Roumanie. Ils sont assez fascinés par, par, par ce pays à cause de ça. Euh, quelle est la différence par rapport à la France enfin, Peut-être que les gens ne sont pas au courant. En France, c'est très limité. Il y a beaucoup de, de contraintes. Pourquoi en Roumanie c'est plus facile et c'est mieux de, de le faire. Alors je ne sais pas exactement, il semblerait que les lois roumaines et les lois françaises soient relativement proches, mais bon, je crois qu'en France, elles sont quand même beaucoup plus strictes et sont beaucoup plus appliquées. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez rouler que sur des chemins qui sont sur la carte, donc des chemins euh, publics. Euh, et les gens sont assez réticents, du fait aussi de la densité de population, sont assez réticents au passage de, des motos à cause du bruit. Et les gens euh, voilà, font des activités le week-end et ils ne supportent pas de voir des motos. Ouais. Certainement aussi à cause d'exagération de, qu'il y a pu y avoir il y a une vingtaine d'années. C'est intéressant cette image de de, 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 de de régions qui sont moins peuplées qu'en France et où vous sentez peut-être un peu plus la nature. Oui. Vous pouvez voir les animaux dans les champs. Enfin, oui. C'est un rapport à la nature qui est peut-être un peu plus direct. Enfin, on a encore une civilisation paysanne en euh, oui. Roumanie qu'on retrouve plus vraiment en France. En France, on a on a des fermiers qui sont des, des professionnels de l'agriculture, oui. euh, mais ils sont plus vraiment paysans comme on en trouve en Roumanie. Non, non. D'ailleurs, mon père est agriculteur, donc je connais un petit peu le, le, le sujet. Oui, en France, ça s'est beaucoup professionnalisé. Et encore, en France, pas. on a encore des fermes qui sont petites par rapport à d'autres pays européens euh, et qu'on considère trop petites. Mais en Roumanie, nettement, enfin, il, y a, il y a des extrêmes. En Roumanie, elle est extrêmement gros et extrêmement petit. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, il y a 40% des gens qui, qui vivent de, de l'agriculture en, en Roumanie, alors qu'en France, c'est... Euh, J'ai oublié le chiffre, mais c'est quelques pourcents. Moins de 5, je pense, directement. Euh, à vous entendre parler de la Roumanie, c'est clair que vous avez un attachement par rapport à ce ouais. pays. Je suppose que ce, ce pays vous a offert des choses. Euh, Qu'est-ce que vous offrez à ce pays ah euh, bah De la bonne bière, euh, j'espère. Déjà <laughs> <laughs> euh, J'espère que les gens qui travaillent avec moi ont le plaisir de, de travailler avec un Français et euh, dans des conditions, on va dire, plus sympathiques qu'une grosse société. Euh, à qui veut bien l'entendre, j'essaye de dire les bêtises qu'on a faites en France et qu'il faudrait éviter de refaire en Roumanie. Mais bon, je, malheureusement, certaines seront faites quand même, je pense. Voilà, ce, 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 ce genre de choses. Euh, Uh, toujours dans mon domaine d'activité, je, je connais uh, je connais bien le, le, le milieu de la brasserie. Je travaille une quinzaine d'années, donc c'est aussi un avantage de connaître ce qui s'est fait dans d'autres pays comme la France, parce que finalement, comme cette vague des microbrasseries démarré en France euh, avant, on a une petite idée de ce qui va se passer dans quelques années en Roumanie. Donc c'est aussi un avantage pour moi et puis pour pour les gens qui, qui travaillent avec moi. Ça vous donne une visibilité. Hmm, assez bonne sur ce qui va suivre, quoi, parce que vous On avez vu des, 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 des expériences pareilles en France. Oui. Je suppose que la Roumanie, bon, c'est quand même un pays européen, donc hmm, c'est un pays qui va suivre un peu les, les tendances oui. de l'Ouest. Et ça vous donne une, une visibilité sur, sur votre business aussi. Vous, vous en êtes confiant euh, je, je suis assez confiant euh, parce qu'on démarre, on est vraiment au tout début. Donc je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une exponentielle. Il est possible qu'à un moment donné, il y ait une crise économique qui va, qui, qui va retarder les choses. Parce on sait que les, euh, les crises économiques en Roumanie peuvent être assez, assez, assez brutales hein, sur, sur la consommation. Mais euh, sur le moyen terme, j'ai n'ai aucun doute. Je suis sûr que ça va fonctionner. Monsieur François Xavier Dolander, une dernière question. Vous direz quoi aux Roumains qui ne croient pas vraiment leur pays ah, euh, Je dirais déjà, il y en a. Il me semble qu'il y a beaucoup de Roumains qui ont quitté la Roumanie et qui, qui veulent revenir ou s'ils pouvaient ils reviendraient. Donc déjà, il faudrait qu'ils discutent avec ces, ces gens-là. Euh, je pense qu'il y a des expériences à prendre euh, en Europe, mais euh, ces expériences-là ben, doivent. De, de, comment dire Je pense qu'avec l'expérience qu'ils auront eue dans d'autres pays, pour ceux qui veulent partir, il y a un moyen de réussir en Roumanie. Il y a moyen de réussir en Roumanie parce qu'ils auront appris des choses qui que les autres ne savent pas. Ils auront vu ce qui se passe ailleurs et ce qui va donc arriver dans le futur en, en Roumanie. Donc je pense qu'il y a plein de bonnes raisons de, de faire ça, de rester en Roumanie, de le faire en Roumanie. De la même manière que moi, c'était plus facile pour moi, je pense, de démarrer une microbrasserie en, en Roumanie qu'en France parce qu'il y a moins de concurrence. Il y a encore plein de choses à faire en Roumanie. Ah, joli mesaj pentru Leuma. <laughs> Domnule Dolander, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe François Xavier Dolander, în francez care a ales să trăiască în România, mai exact la Buzău, unde produce o marcă de bere mai puțin cunoscută, dar care va fi cunoscută One Beer Later. Așa am aflat cum poate schimba o bere viața unui om. Vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă de la 11 și 10. Să de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.